Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une séance portée sur la récupération. Alors, je sais déjà ce que vous êtes en train de vous dire. Qu'est-ce qui nous veut sucer avec sa récupération? On sait très bien comment faire, on s'étire et puis basta. Eh bien non. Il faut savoir que dans le sport, la récupération est indispensable sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. C'est pour cela qu'on va voir ces deux aspects aujourd'hui. Sur le plan physique, nous allons travailler avec un exercice de salutation au soleil. Et sur le plan mental, nous allons faire des séances de sophrologie. Alors, la salutation au soleil, c'est quoi? La salutation au soleil est un enchaînement de postures en yoga. A l'origine, la salutation au soleil est un rituel matinal en l'honneur au soleil levant qui va apporter son énergie sur la terre. Dans notre cas, l'intérêt de cet exercice est de tonifier le système nerveux grâce aux extensions et aux flexions de la colonne vertébrale, ainsi que d'améliorer le sommeil. Allez, mets des affaires confortables, c'est parti. Placez-vous à l'avant de votre tapis, les gros orteils se touchent. Relâchez bien les épaules vers l'arrière, lâchez les bras vers le sol, rentrez le menton vers l'avant et commencez par contracter fermement votre périnée. Puis absorbez votre nombril, vous poussez le nombril vers la colonne vertébrale, vous placez les mains sur la poitrine, tous les doigts se touchent, fermez les yeux, trouvez votre équilibre. Inspirez et levez les bras en l'air. Connectez les mains ensemble. Relâchez la tête. Relâchez la nuque. Vous regardez vos pouces. Vous ouvrez les bras. Vous fléchissez vos genoux. Et placez vos mains sur le sol devant vos pieds. Vous étirez d'abord la jambe droite. Placez le genou au sol. Si vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes à l'aise, gardez la jambe en l'air. Vous étirez votre jambe gauche. On va essayer d'aligner les mains et les pieds sur une même ligne. Si vous n'êtes pas à l'aise, laissez les genoux au sol. Ne forcez pas, surtout, travaillez en douceur et dans la pleine conscience de ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps. Vous êtes calme et concentrez sur votre respiration. Vous placez maintenant les genoux sur le sol, vous allongez vos coups de pied sur le tapis et vous allez ouvrir le bas du dos tout en roulant les épaules vers l'arrière. Vous regardez devant vous, les doigts bien collés au sol, relâchez bien les jambes au sol. Si vous n'avez pas de problème au cervical, vous pouvez relâcher la tête en arrière. Placez maintenant les fessiers sur vos talons, étirez bien vos bras vers l'avant et relâchez le front au sol dans la posture de l'enfant. Je respire tranquillement et j'expire calmement. Le rythme cardiaque se calme, je suis bien. Vous placez maintenant vos doigts de pied sur le tapis, vous poussez les fessiers vers le plafond. Fléchir les genoux si vous manquez de souplesse. Sinon, vous gardez les talons et la voûte plantaire complètement collés au sol et on relâche la tête. Vous êtes dans la posture chien tête en bas. C'est une très bonne position pour étirer tout l'arrière de votre dos et de vos jambes. Relâchez complètement la tête. Vous allez maintenant fléchir vos genoux. Et vous allez marcher en direction de vos mains. On inspire. On lève les bras en l'air. Et j'expire. On va recommencer cet exercice une seconde fois pour que vous puissiez bien comprendre. Inspirez. Levez les bras en l'air. Et regardez vos pouces. Lâchez la tête en arrière. Expirez, ouvrez les bras et plongez vers l'avant. Étirez le cou vers l'avant. Placez les mains où vous pouvez, sur le sol, vos tibias, vos genoux, où vous le voulez. Et on relâche la tête le plus près possible des genoux. J'étire la jambe droite,
J'étire la jambe gauche. Je ramène les épaules au-dessus de mes mains. Je fléchis mes genoux. Je les dépose sur le sol. Et j'ouvre le bas du dos. J'inspire. Je regarde en l'air. Contractez les fessiers. Et j'expire. Je pousse sur mes bras tendus. Je déplace tout mon poids du corps le plus en arrière possible pour libérer mes épaules, mes bras, ma tête. Tout mon haut du corps est léger. Je regarde devant moi. Je fléchis mes genoux, puis je ramène un pied, puis l'autre. Je mets la tête aux genoux. Inspirez. Levez les bras et relâchez. Vous réaliserez cet exercice pendant 15 minutes en enchaînant les positions. J'espère que la séance de salutation au soleil vous aura plu. On va maintenant passer à la séance de sophrologie. Alors la sophrologie, qu'est-ce que c'est ? Bien, la sophrologie, c'est un entraînement du corps et de l'esprit pour développer la sérénité et le mieux-être intérieur. La sophrologie est basée sur des exercices de relaxation et d'activation du corps et de l'esprit. Dans notre cas, l'intérêt de la sophrologie va être d'améliorer le sommeil et de mieux gérer ses émotions. On le sait très bien, dans le sport, le sommeil est essentiel pour une bonne récupération. Et pour tous ceux qui pratiquent la compétition, la gestion de ses émotions est primordiale. Cette séance de sophrologie servira de base pour les séances ultérieures. C'est une initiation à la sophrologie. Je vous souhaite une bonne séance et à tout à l'heure. Confortablement possible. Je ferme les yeux tranquillement pour mieux me concentrer sur mes sensations. Mes yeux restent fermés. Je fais 3 respirations complètes à mon rythme. J'inspire par le ventre, par le thorax et par les épaules. J'expire par les épaules, le thorax et puis le ventre. Ensuite, je reprends une respiration automatique et je laisse faire, relax. Et je vais pouvoir détendre tous mes muscles, de la tête aux pieds. Mon front est bien lisse, comme une surface complètement plane. J'efface mes rides d'expression, je décontracte les sourcils. Je relâche mes tempes, mes paupières sont bien souples. Elles reposent tranquillement l'une sur l'autre. Je décontracte les muscles autour des yeux et derrière les yeux. Je détends mes joues en commençant par la face externe des joues, puis la partie interne des joues. C'est très bien. Si j'ai envie d'avaler ma salive, je laisse faire. Je laisse aller ma mâchoire. Je desserre les dents. Ma langue est bien souple. Décoller le palais et les dents. Je laisse aller mon menton. Mes lèvres peuvent s'entr'ouvrir. J'ai peut-être envie de bâiller. Je laisse faire. Tout mon visage se détend. Calme. Relax. Je prends conscience des sensations au niveau de mon visage parfaitement détendu. J'accepte toutes les sensations, tous les petits phénomènes comme les bâillements, les picotements des yeux, la déglutition, sans juger. Je laisse faire, c'est très bien. Je décontracte ma gorge, je laisse aller mes épaules, bien détendues. Je décontracte tous les muscles de mes bras. Mes coudes sont bien souples, ligaments déliés, comme pour courir. Je décontracte tous les muscles des avant-bras. Mes poignets sont souples, ligaments déliés, comme pour lancer une balle. Je relâche tous les muscles de mes mains, dos des mains, paumes des mains, et je décontracte tous les muscles des 10 doigts jusqu'au bout des ongles.
Je prends conscience des sensations de mes deux bras qui se détendent, relaxent, lâchent prise. Je décontracte les muscles de la nuque. Je prends conscience du poids de ma tête, nuque parfaitement détendue. Je prends conscience de ma respiration qui est devenue calme et régulière. Et en harmonie avec ma respiration calme et régulière, je décontracte tous les muscles du thorax. Je décontracte tous les muscles du dos. Tous les muscles de la région lombaire se relâchent. Maintenant, je mets mon cerveau au repos. Je peux laisser aller et venir les idées, sans me fixer dessus. Je visualise simplement une feuille blanche. Détente, c'est très bien. Je prends conscience de ma respiration, lente et régulière. Et maintenant, je décontracte les fessiers. Mes hanches sont bien souples. Je relâche tous les muscles des cuisses, les muscles antérieurs, les muscles postérieurs, les muscles superficiels et les muscles profonds. Mes genoux deviennent bien souples, ligaments déliés, comme pour courir. Je relâche mes mollets. Mes chevilles deviennent souples, ligaments déliés. Je décontracte tous les muscles des pieds, dos des pieds, voûte plantaire, tous les muscles des 10 orteils jusqu'au bout des ongles. Je prends conscience des sensations dans mes deux jambes qui se détendent. Je laisse faire, relaxe. Maintenant, je réunis toutes les parties de mon corps que je viens de détendre. Et je prends conscience de tout mon corps, parfaitement bien détendu, depuis la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils. Calme, détente, je prends conscience des différents points de contact entre mon corps et l'assise. Je prends conscience du poids de mon corps, agréablement lourd ou léger, de l'espace qu'il occupe, de son orientation. Je suis totalement détendu. Relax. Pour approfondir mon état de détente, je laisse venir à moi mon image de détente. C'est peut-être une situation vécue dans l'enfance ou plus récemment. Des vacances, des loisirs. Cela peut se situer à la mer, à la campagne, à la montagne. Cela peut être un air de musique que j'aime écouter confortablement installé chez moi, une sensation, un parfum, une couleur ou une jolie photo. Si j'ai une image, je peux la projeter sur un écran ou sur une scène et j'essaye d'en voir, d'en imaginer, d'en vivre le maximum de détails, chaque détail me procurant un peu plus de détente. Je reste quelques instants à vivre mes sensations de détente à travers cette image, mon image de détente. Maintenant, tout doucement, je mets de côté ou je laisse s'éloigner mon image, en sachant que je la retrouverai à chaque séance de sophrologie. Avec l'entraînement, elle se précisera et chaque détail me procurera une agréable sensation de détente. Et dans la vie courante, il me suffira de revivre cette image de détente pour retrouver automatiquement le calme et la détente. Maintenant, je vais envisager par la pensée de faire ma reprise, ma désophronisation, en sachant que je vais conserver pendant quelques instants mes sensations de calme, de détente et de sérénité. Je vais accepter de revenir ici et maintenant, de retrouver mon niveau de vigilance actuel, le tonus musculaire nécessaire aux gestes et postures de la vie courante.
Je vais faire cette reprise très progressivement, sans à-coups, en respirant 3 fois profondément et en mobilisant lentement tous les muscles de mon corps. Je respire profondément une première fois. Je réactive les muscles du ventre et du thorax. À mon rythme, je respire à fond une deuxième fois, en remuant les doigts, les mains, les orteils et les chevilles. Enfin, je respire profondément une troisième fois, en pliant les coudes, les genoux. Je remue mes bras, mes jambes. Je peux bâiller, frotter mes yeux, faire des grimaces, changer de position. Je termine en m'étirant à fond. Et lorsque je suis bien revenu ici et maintenant, tranquillement, je peux ouvrir les yeux. Oh non ! Oh la lumière, merde ! Ah, mais je vois que votre dame est arrivée. Hein ? Ah non, c'est juste un copain, c'est pour dépanner. Ah mais y a pas de mal, monsieur. J'espère que cette vidéo sur la récupération vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce en l'air ou abonnez-vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. À la prochaine, bye bye. Ah oui, j'allais oublier. Quand te reverrai-je ? Pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.